Previously on 24. D'après l'oracle, il devrait y avoir une catastrophe au stadium. Il m'a dit de me méfier de la cinquième colonne. Sûrement une organisation terroriste. Ah bah 24 heures avant Jésus-Christ, ma couille, allez, ya! C'était toi le traître! Put your glaive down! Où sont les détonateurs, détritus? Où sont les détonateurs? Parle ou je vais te torcher! Ouais, non, finalement, les glaives, c'est pas idéal pour les interrogatoires, c'est un peu gros, quoi. C'est... La bombe était dans la montagne! Il faut évacuer les civils! Rejoignez les issues de secours! Avancez, monsieur! C'est vous, attendez! Ah bah, on savait comment gérer la foule à cette époque-là, hein. C'est avant Malicosekinus. C'est de la nitroglycérinus, c'est super sensible! Sauve-toi, Jack! Mais si tu meurs, tu n'auras pas de descendance et la série sera différente! Winter is coming! C'est l'ancêtre de Justin, éloignez-le, ça risque de créer une série hybride! Ça va nous faire à 24 heures sur le trône, on va croire que c'est un truc sur la constipation, allez, ya! Ouais, non, 24 heures sur le trône, j'ai essayé et je le souhaite à personne. Ouais, pas de crossover, mais ils nous ont quand même refilé la belle-mère dans la saison 9. J'ai peur, je t'en prie, tiens! On est détonateur! Merde, pardon. Ah, putain, mais quel est con, Ceci est un message pour le président Palmer dans 2000 ans! Oui, j'ai peur d'avoir créé une faille temporelle, une petite modification du futur. Oh, a priori, pas grand-chose, hein, ça se trouve, vous en rendrez même pas compte. Oui, alors bon, suite à ma petite boulette, Palmer, il est pas devenu président, il est devenu garde du corps du président. Bon, je veux dire, il est quand même dans le bureau aval, quoi, mais bon, il est à 2 mètres du président, voilà. Enfin, je veux dire, pas chipoté non plus. Il a l'air un peu déçu, quand même, hein. Bienvenue à Pompéi, monsieur Bauer, Pompidum. Il se fout de ma gueule ou quoi? Je vais le taper, lui. Je vous dérange? C'est que c'est pas très prudent de me surprendre par derrière. C'est que je suis expert en lutte gréco-romaine, je pourrais te sodomiser contre le mur en te mordant l'oreille. Ouais, non, c'était une blague à la mode à l'époque, tu sais, tu te promènes avec un copain, quand tu lui fous une baffe, il est surpris, il rigole, et puis tu l'encules contre le mur. Enfin, faut pas oublier de lui mordre l'oreille, hein, parce que sinon ça perd le côté potache. Hein. Ah bah ça peut être mal pris après. Hein. Une bombe a été placée dans le stadium en soupçonne Alcaïdus. Ça c'est pas vrai, il y avait déjà des terroristes à l'époque, on peut pas être tranquille. Hein. Sur les origines de 24 heures en fait. Bon là, y a rien, a priori là non plus. Ouais, j'ai fait réaliser une petite maquette de la ville, bah c'est une sorte de simulateur 3D quoi. Mais si ils avaient mis la bombe ici, près de la poudrière. Oh non, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai qu'en l'absence de radar et de scanner, bah je suis obligé d'essayer des trucs. Oh, et puis c'est un caprice d'enfant, c'est... j'ai toujours aimé les maquettes. Jack, vous êtes l'ancêtre de Jack Bauer, c'est votre petit fillon. Et moi je suis l'ancêtre de Chloé O'Brien. Chloé O'Brienus, je vais essayer de faire changer mon nom parce que c'est pas terrible. Put the glaive down! Oh, elle arrête pas de chercher un certain Jésus, elle dit que c'est l'élu. Ça devait mettre compte, ça me fait chier, hein. La mère! Put the glaive down! J'ai besoin d'une surveillance satellite de la ville, fait décoller le drone Chloé right now! Alors les drones n'existent pas. Les drones n'existent pas encore, mais j'ai réussi à faire décoller une noix! Damn it! Mais pourri ton système, on voit rien! Mais je fais ce que je fais, ah, dégage, allez! C'est normal que je sois encore là alors que je viens de partir? Faut ta mozina, il a encore mélangé toutes les scènes, il a fait n'importe quoi, c'est le bordel! Les oracles se sont trompés, il n'y a aucun risque! Ici, c'est Pompéi!